c'est le passage au marketing et à la communication en temps réel. C'est-à-dire ce passage du 360 degrés, où la communication était fondée sur l'espace et les points de contact, à une communication 365 jours par an, c'est-à-dire où les marques ont la capacité de parler non seulement à la bonne personne au bon endroit, en envoyant le bon message, mais aussi au bon moment. Un autre enjeu fondamental, de mon point de vue, c'est ce rapprochement, cette fusion entre la communication commerciale et la communication dite corporate. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus vendre une voiture sans parler environnement, on ne peut plus vendre un produit alimentaire sans parler d'hygiène, de sécurité ou de nutrition. Et donc, des enjeux qui étaient autrefois gérés de manière autonome dans les entreprises, le commerce d'un côté et le comportement corporate de l'autre, deviennent aujourd'hui des enjeux unifiés pour lesquels les entreprises et les agences doivent s'unifier. Un très bon exemple de cela, c'est la campagne Like a Girl d'Always Procter & Gamble qui montre comment une marque peut commercialement profiter d'un positionnement sociétal. C'est le shareable content, c'est des contenus qui doivent être stratégiques pour les marques, en ligne avec l'idée et voire l'idéal qu'elles veulent développer, mais qui soient éminemment partageables, considérant que chacun de leurs clients sera et déjà et sera de plus en plus un média.